Yo tout le monde, petite vidéo, on va faire un tour au Leclerc d'occasion de Géant dans le 45. Donc voilà, à tout de suite. Tout le monde. Bon, je suis sorti de ce petit Leclerc d'occasion pour récapituler les choses, pour vous expliquer les choses. J'étais où? Ce week-end, j'étais chez de la belle famille sur Orléans, à côté d'Orléans, une petite ville. Je suis parti, j'ai regardé Leclerc d'occasion plus proche de là-bas. Il s'avère que Leclerc d'occasion plus proche était à 70 bornes quand même. Donc j'y suis allé. 70 bornes, ça m'a fait 1 heure aller, 1 heure retour, ça m'a fait 2 heures de trajet. C'était pas à côté. C'était plus du côté de Montargis, dans une petite ville qui s'appelle Gien. Je me suis dit, ouais, là-bas, c'est sûr que c'est une campagne, je vais ressortir avec des affaires de ouf. Là-bas, le prix d'immobilier est super bas, t'achètes des maisons à 2000 euros. Bon, j'exagère quand même, mais je crois pas que c'est la vérité. Hein. Bref, j'y suis allé, je me suis dit, c'est une campagne de ouf, je vais trouver des jeux de ouf. En plein samedi après-midi, le Leclerc, aussi bien Leclerc Occasion que Leclerc Hypermarché, il n'y avait pas un chat. Je me suis dit, magnifique, je vais trouver des belles pépites. Bah, finalement, j'ai trouvé quelques jeux. Effectivement, j'ai trouvé quelques jeux, mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Et les prix, on va dire, c'est les prix. Bon, c'est correct. Mais je trouve que j'ai fait de moins bonnes affaires dans un Leclerc de campagne
que dans un clair dans une grosse ville française. Donc voilà, je suis revenu à quelques jeux quand même. Faut le dire les choses, je suis quand même revenu à quelques jeux. Je suis pas revenu bredouille. C'était ça le plus important parce qu'après m'être tapé 1 heure aller, 1 heure retour, j'aurais eu belle hein, si j'étais parti pour rien. Mais bon, c'est pas grave, j'y suis allé. Je suis revenu à quelques jeux. Je suis revenu avec tout ça. Alors, dans les jeux, il y a quoi? Il y a de la Xbox 360, il y a de la PS2, il y a de la PSP et un jeu PS Vita. J'en ai eu pour 22,94 €. Donc voilà, 22,94 € 6 jeux. Je vais vous montrer les jeux que c'était. Je vous montre aussi le ticket de caisse. Donc voilà, 22,94 €. Je ne sais pas si vous verrez, il est en bas. Il est là. Voilà, bref. Passons aux choses sérieuses, les amis. Aux choses très, 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 très sérieuses. À des jeux plutôt moyennement corrects, on va dire. Bon, je commence par lequel? Par le jeu 3-6. Allez hop, c'est parti pour le jeu 3-6. Alors, Yaba, j'ai eu Yaba Ninja Gaiden Z spécial édition en très bon état. Franchement, nickel, je suis quand même content. Je l'ai eu à 5 euros. Donc, 5 euros, c'est pas rien. Enfin, si, c'est plutôt correct, on va dire, c'est à peu près les prix. Et le jeu, il est nickel. Il est en deux CD, je savais même pas. Donc, voilà, CD 1 et CD 2. Ah non, le deuxième CD, excusez-moi. Le deuxième CD, c'est plutôt l'OST du jeu. Donc voilà, bon. Dedans, il y a quoi? Il y a la notice, bien sûr. Tout le monde connaît la notice. Classique. Il y a un code de téléchargement pour un DLC, je crois, pour le jeu Dead or Alive 5 Ultimate. Donc voilà. Il y a une petite BD plutôt sympatoche, sympathique, sympatos. La totale, elle est en plus en français. Je vais la lire. Bon, je pense que je vais la lire parce qu'elle va me prendre. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une BD de tout juste 30 secondes à lire. Hein. Il n'y a pas des masses de masse. Donc voilà, le petit ninja Gaiden Z Yaba, complet pour le prix de 5 euros. C'est tout à fait correct. C'est pas spécialement l'affaire du siècle, mais c'est correct. C'est correct. Bon, on passe à la suite. On va passer sur les jeux PS2. Alors, les jeux PS2, il y a Ford Racing 3. Le voici, le voilà. Complet. Le jeu, tout. Et je sais qu'il était en état nickel. Il était magnifique, en bon état. J'ai eu à 3 euros. Alors, quand j'ai été à nickel, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quelques jeux que j'ai pris, que j'ai laissé parce que c'était plutôt rayé et ça me faisait chier pour le prix, parce que ce n'était pas des prix. C'est pris plutôt lambda, plutôt classique que tu trouves un peu partout. Donc j'avais laissé tomber. Surtout que quand la caissière, elle a pris les jeux. Franchement, les gars, vous verrez, la caissière, elle avait des ongles. Et les frères, l'ongle, il était plus grand que mon doigt. Elle avait des ongles comme ça. Franchement, la vérité, hein, j'exagère pas, mais peut-être comme ça. La vérité, comme ça. J'ai fait waouh. Et j'avais peur qu'à chaque fois, elle me prenait un jeu. Parce qu'en fait, les jeux, ils n'étaient pas dans les boîtes. Ils étaient en caisse, donc elle les prenait dans une pochette. J'avais peur qu'elle me mette un coup de balafre sur le CD. Franchement, c'était pas impossible. Hein. Vu les ongles de ouf qu'elle avait, je suis waouh. Franchement, c'est sûr qu'elle peut me rayer le jeu, il est lisible après. Hein. En tout cas, c'est bon, je crois qu'elle l'a pas trop rayé. J'ai vu, elle ne savait pas trop les manier, mais on a évité l'accident. Ensuite, je continue sur de la PS2 toujours. Alors, le petit Hugo Bukazoom. Alors, je pense que ça, c'est une belle daube, ça se voit tout de suite. J'ai eu à 3 euros. Mais bon, je ne l'avais pas dans la collection. Voilà, il est complet. Je suis bien, je suis content. Ensuite, on va passer au jeu PSP. Alors, il y a quoi? Midnight Club, la remix. Celui-ci, je l'ai eu pour 5 euros. Complet. Nickel. Ah, d'ailleurs, c'est quoi ce. Ah non, je pensais que c'était pas la bonne notice, mais je crois que c'est non, c'est la bonne notice. J'avais peur. Donc voilà. Complet pour 5 euros. Je suis quand même content. Je crois qu'en plus, celui-là, je ne l'avais pas. Ensuite, toujours pour 5 euros, Metal Gear portable OPS. Alors celui-là, j'ai un doute, les gars, si je l'ai ou pas. J'ai vraiment un doute. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, j'ai commencé. Il faut que je fasse un tri dans ma collection. Je me suis pris une application, j'ai même payé le truc premium à 10 euros, 8 euros, je crois que j'ai payé 8 euros pour savoir ce que j'ai dans ma collection. Il faut que je scanne tout et ça me permettra de voir les jeux que j'ai dans ma collection.
et ceux que j'ai pas. Donc j'en ai profité pour prendre ça, pour prendre une application, pour faire un listing et un checklist complet de mes jeux. Donc voilà, le petit Metal Gear sur PSP, complet, note 6. Et il y a quoi d'autre? Il y a un autre truc dedans, c'était quoi? Oh, c'est une carte postale pour envoyer chez Konami à Paris premier. Je ne sais pas s'ils sont encore là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est quand même cool. Un petit 5 euros. Le petit Metal Gear portable OPS. Ensuite, celui-ci que vous attendez tous, les gars. Un petit jeu PS Vita. Et pas des moindres, pas n'importe lequel. Enfin, presque pas n'importe lequel. Non, les frères, hey, c'est un jeu courant, c'est archi courant. Je l'ai pris parce que je n'avais pas dans la collection. On va dire pour ce jeu-là, le prix était plutôt très correct. Mais c'est pas vraiment pas un jeu de ouf. C'est FIFA 15. Je l'ai eu pour 2 euros. Donc c'était le seul jeu PS Vita. Je me suis dit, je vais le prendre. Je n'ai pas dans ma collection. Il est complet avec une petite notice d'avertissement d'utilisation du jeu. Et voilà, bon. C'était pas foufou, hein. C'était pas foufou, surtout que j'ai tapé une heure aller, une heure retour, donc c'était pas à côté. Pour le trajet, j'ai eu tout ça. Voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle. C'est quelle caisse il est là. Bon, on va dire que ça m'a fait une petite balade, hein. On a fait une petite balade. Je suis parti vite fait, ça m'a permis de voir un peu la région, même s'il n'y avait pas grand-chose à voir. En tout cas, voilà. Dis-moi ce que tu as pensé de cette rentrée-là. Est-ce que tu la trouves bien ou pas? Personnellement, moi, les lockers d'occasion, j'aime bien. Je préfère aller dans un locker d'occasion que dans un cash. Après, il est vrai que les lockers d'occasion, le problème, c'est qu'ils ont moins de choix que dans les cash. Enfin, c'est normal, c'est peut-être pas, ils sont peut-être pas encore très connus pour ça. Et ils sont pas non plus très, très implantés encore. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir eu tout ça pour à peine 23 euros. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Ensuite, abonne-toi, active la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. J'espère à très bientôt. Bye, ciao tout le monde.